Lui, c'est Marc. Et ça, ce sont les déchets que Marc produit chaque année. Comme pour la plupart des Français, ces déchets pèsent 390 kilos. C'est beaucoup. Produire des déchets, les collecter, les traiter, coûte très cher, en termes financiers comme en termes environnementaux. Donc il y a une vraie nécessité de diminuer la production de déchets sur notre territoire et dans nos villes. Voilà, moins de déchets et en faisant moins de déchets, transformer ceux des déchets qui restent en ressources. Autrement dit, il faut recycler. Aujourd'hui, on y arrive plus ou moins bien selon le type de déchets. Pour l'acier, l'aluminium, le verre, le recyclage fonctionne déjà très bien. Pour le papier et le carton, on a connu des progrès spectaculaires puisqu'ils sont recyclés à plus de 60%. Aujourd'hui, par exemple, la plupart des journaux sont fabriqués à partir de papier recyclé. Mais dans d'autres secteurs, les résultats sont moins bons. 20% pour les piles, c'est peu. Surtout quand on sait qu'elles contiennent des métaux lourds très polluants. D'autres produits sont encore moins bien recyclés. 5% pour les portables, à peine mieux pour les plastiques, alors qu'on en produit des quantités énormes. Bref, il y a encore beaucoup de progrès à faire.